Bonjour mes amours, bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de notre semaine de vidéo préparation pour mon nouveau travail. Et nous sommes le jour J, donc je me prépare. Il est quelle heure? 6h56, je commence à 9h, je suis à 1h30 de trajet de mon nouveau taf. Je vais me maquiller très rapidement, très simplement. De base je me maquille pas du tout pour aller au travail, mais bon là c'est le premier jour. On va faire bonne impression, je vais pas arriver avec mes cernes de fille qui ne dort pas la nuit. C'est parti pour un petit maquillage très simple, sans fond de teint. Je suis censée vous faire une make-up routine. À chaque fois on me la demande, mais comme il me manque un tas de produits puisque je me maquille plus et du coup j'ai la flemme de dépenser mon argent dans du maquillage, alors que bah je vais pas l'utiliser au final. Je disais donc quoi? Je disais que oui, je commence à 9h. J'appréhende un peu l'équipe dans laquelle je serai. Bon, à l'entretien tout s'est très bien passé. J'ai eu un très bon feeling avec avec mon chef, enfin celui qui sera mon tuteur du moins. Et j'ai vu un petit peu les alternants. Je me suis pas présentée à eux parce que bon, j'allais pas avoir le poste, mais il m'a montré un petit peu qui fait quoi, etc. Donc déjà il y a la diversité. Je pense qu'on sera 2-3 filles noires. Il y a une maghrébine. Après il y a des blancs et des blanches aussi. Donc franchement l'équipe elle m'a l'air pas mal, hyper jeune et tout. Mais hier il s'est passé quelque chose qui me rebute un peu. Une fille, je pense que ça doit être une assistante RH ou quelque chose comme ça, qui m'envoie un email pour que je puisse remplir mes informations pour faire mon contrat et notamment pour m'envoyer mon salaire, à savoir mon RIB, mon adresse postale pour les fiches de paye, blablabla. Donc je remplis tout ça et j'arrive à une rubrique pour choisir le mode de paiement du salaire. Donc il y avait virement, espèce, chèque. Bon les gars, désolé, mon téléphone a fait des siennes et m'empêche de filmer, il semblerait. Donc tout ce que j'ai raconté, ça ne filmait pas. Donc je reprends. Sur le site, tu avais la possibilité de choisir différents moyens de paiement pour ton salaire. Donc tu avais le virement, la carte bancaire, les espèces. Du coup, moi je me dis trop bien, je vais pouvoir prendre les espèces parce que ça me permet de mieux gérer mes sous quand je reçois mon argent en espèces, parce que il suffit que j'ai un prélèvement surprise qui n'était pas prévu et que je me retrouve à un certain montant, ça fait effet boule de neige. Donc je me dis, au moins si j'ai mon salaire en espèces, je peux directement régler mon loyer. Du coup, je choisis le paiement en espèces en me disant que bah y a rien, tu vois. Et je reçois un mail, cette fameuse dame de la RH encore, qui me dit oui, vous n'avez pas rempli toutes vos informations, il nous manque vos informations bancaires. Donc j'explique, oui, c'est tout à fait normal parce que bah, j'ai choisi d'être réglé en espèces. Et elle me dit non, c'est tout à fait impossible, tous les salaires sont versés à la fin du mois par virement. Je lui dis, madame, sur le site, vous avez la possibilité de choisir un virement par espèce, et je lui envoie même la capture d'écran pour être sûr, parce que ça se trouve, c'est que sur mon téléphone que ça faisait cette chose. Elle me répond, oui, non, mais ça, c'est tout à fait normal, c'est le site, mais les conditions de l'entreprise, ou je sais pas quoi, c'est uniquement les virements à la fin du mois. Moi, je suis pas dans l'entreprise, je peux pas le deviner, on me l'a pas dit à l'entretien. Je vois qu'il y a une proposition d'espèce, bah, je me dis que c'est possible, en fait, genre, c'est pas ma faute. Elle était un peu passive-agressive, ou je sais pas si c'est moi qui suis sensible ou quoi, mais je lui dis, d'accord, ok, mais y a pas de souci, je vais aller remplir mes informations. Et là, j'ai pas de réponse, genre, même pas, d'accord, très bien, merci, rien. D'habitude, les gens, ils le font, en fait, c'est des choses. Alors tu laisses pas les gens comme ça en mode malaise en vue. On va sur la perruque. Je vais faire ma petite coiffure vite fait. Ah, j'ai même pas fait mes sourcils. Et j'ai même pas fini mon maquillage en plus dans tout ça. Il est déjà 18. Donc là, il me reste quasiment 10 minutes pour me coiffer, m'habiller, faire mon sac et partir. Je finis mon make-up hors caméra et on se voit directement pour la tenue. Les gars, c'est bon au niveau de la tenue. J'ai mis le pantalon qui était prévu. Le haut, ça donne ça. Au niveau des bijoux, donc ça, c'est le colis que j'avais pris avec les bagues. Voilà. Bon, le blazer, c'est un blazer que j'ai acheté en fripe. Et au niveau de la paire, j'ai mis une paire de Adidas, toute blanche. Comme ça, je suis quand même assez à l'aise. J'ai dû mettre un soutien-gorge pour la première fois depuis des mois. Mon truc, il était blanc et j'ai pas spécialement envie que toute la terre sache que j'ai un piercing. Il fait quand même assez froid, donc je vais devoir mettre un manteau, une écharpe. Et j'aime pas du tout ma mise en beauté. Je me trouve pas belle, mais bon, tranquille. Écoutez, on va y aller comme ça. Du coup, au niveau du manteau, je vais mettre mon trench. Et actuellement, il fait 7 degrés. Mon sac à main, il est là. J'ai pris juste mon PC. J'ai pas eu le temps de faire à manger ni de prévoir de la nourriture. Donc, j'achèterai sur place. Et voilà! On est plutôt pas mal. Les gars, j'ai fait une petite pause aux toilettes. Il est midi. Ma pause déj, elle est un petit peu plus tard. Enfin, elle est plus tard. C'est moi qui ai décidé de la prendre plus tard, donc je vais la prendre plus tard. Première impression, tout se passe bien. Donc ça fait exactement 9h, 10h, 11h, 12h. Donc 4h que je suis dans l'entreprise. Et pour l'instant,
ça va. Au début, j'étais un peu stressée, mais en fait, c'est vraiment chill. Je fais partie des plus jeunes, genre la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Il y a un collègue, c'est en 2004. La plus vieille, elle a 35 ans, donc vraiment, on est une équipe de super jeunes. Donc c'est top, c'est libre, c'est grave libre. Ça change vraiment de mon ancienne entreprise. Genre, on a droit au téléphone, sur la table, on fait un peu ce qu'on veut. Genre, on se gère comme on veut, comme des adultes que nous sommes censés être. Et franchement, je m'entends grave bien avec ma formatrice. C'est super intéressant, on discute, j'apprends plein de trucs. Donc honnêtement, pour l'instant, je suis contente. J'espère que ça va se passer très bien. Puis on croise les doigts. Donc là, je vais repartir au taf parce que je me suis absentée juste pour faire un petit update. Je vais aller manger tout à l'heure. Je vais vous emmener avec moi, on va manger. Et on se voit le soir pour le débrief. Les gars, nous sommes le soir, il est actuellement quasiment 19h. Je suis rentrée à la maison il y a quelques minutes, mais le temps que je me change et tout. Je vous fais un débrief du coup de cette première journée en me démaquillant, parce que après il faut que je commence le montage si vous devez voir cette vidéo aujourd'hui. Alors, cette première journée, je dirais que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. J'appréhendais un petit peu, comme je vous ai dit ce matin, par rapport à ma conversation par email avec l'une de mes collègues. Il s'avère qu'en fait, cette femme est ma sup. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, cette femme, lors de mon entretien, et elle était adorable, hyper souriante, hyper gentille. Alors vraiment, la personne avec qui j'ai discuté, c'était le jour et la nuit. J'appréhende pas spécialement parce que je me dis que, enfin, on a quand même eu, du moins, je pense avoir eu quand même un bon feeling avec cette femme lors de l'entretien, et je sais que c'est grâce à elle que j'ai eu le poste parce qu'on s'est tellement bien entendu, donc j'ose espérer que en vrai de vrai ça va bien se passer. Comme vous l'avez vu, ce midi j'ai mangé avec une de mes collègues qui a été également ma formatrice toute la journée. Il n'y a pas vraiment de durée pour la formation. Là-bas ils sont plutôt chill, c'est en mode quand tu te sens prêt à commencer vraiment le taf et à avoir des responsabilités, bah tu demandes et on te donne. Donc là franchement, pour la première fois de ma vie, j'ai pas de pression. D'habitude dans mes autres boîtes j'avais toujours, oui t'as 2 semaines pour être formée, pour tout maîtriser et tout. Donc je me dis que en vrai de vrai, j'ai le temps. Si je comprends pas tout aujourd'hui, c'est normal parce que là, pour la première fois, j'avoue que je sens que le produit, il est pas du tout simple. Il y a plein de petites nuances, il y a plein de choses qui sont vraiment pas simples. Et je sens que pour la première fois, je vais devoir vraiment être concentrée et ça va me demander du temps. D'habitude, j'assimile assez vite, mais là, même en une journée, j'ai assimilé déjà quelques petites choses, mais je me sens pas capable de commencer. On est entre jeunes et ça me fait vraiment bizarre. Enfin, c'est bien, mais en même temps, c'est étrange de me dire qu'on est autant de jeunes mais avec autant de responsabilités. Genre on a vraiment des responsabilités et tout le monde a le sourire, en tout cas tous les alternants que nous sommes et ceux qui sont en CDI, ils ont le sourire, tout le monde est dans une bonne vibe, un bon mood. Tout le monde sait, tout le monde est organisé. Donc pour l'instant, franchement, je suis plus que contente. J'ai eu mon badge aujourd'hui. J'aurai ma carte ticket resto normalement demain ou après-demain, de ce qu'ils m'ont dit. Et l'avantage, c'est que je suis payée à la fin du mois et non plus le 10 ou le 15, comme ça a pu l'être avant dans mon ancienne entreprise. Donc là, franchement, ça va grave m'aider d'être payée à la fin du mois. Genre, je pense que ma vie va littéralement changer. C'est un truc de ouf. Genre, je vais pouvoir vivre en même temps que mes potes. Parce que vraiment, être payée en plein milieu du mois alors que tout le monde a fini de dépenser son argent, c'est chiant. Grosso modo, je suis plutôt très contente de ce premier jour. On verra bien pour les jours à venir. Je pense que c'est également grâce à toutes vos bénédictions. Vous êtes tellement adorables avec moi. Vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit hier soir ou ce matin, pour me dire bon courage, que ça va bien se passer, à m'envoyer des bénédictions, à faire des prières pour moi et tout. Donc franchement, merci pour tout. Je pense qu'il y a aussi de vos bons cœurs et de tous vos vœux positifs qui m'ont aidé sans doute dans cette journée, parce que j'ai très peu dormi l'année dernière. J'ai dormi littéralement 5 heures. Au bout d'un moment dans la journée, je somnolais clairement. Je me battais contre le sommeil pour pas dormir. Et finalement, tout s'est bien passé. Voilà, toutes mes appréhensions ont disparu et je suis prête à attaquer la journée de demain et d'après-demain et d'après-après-demain. Pour l'instant, peut-être que je peux supporter et aller jusqu'à la fin de mon bac plus 2, au moins valider ce diplôme, et puis ça m'a encore plus donné l'envie de changer d'école. Au début c'était bien sympathique le fait d'être à distance, mais là je commence vraiment à ressentir un vrai besoin d'aller en classe, d'aller avec des camarades, d'avoir des cahiers, d'écrire, de taper à l'ordinateur, genre vraiment. Donc là
je suis en train de réfléchir à tout ça. S'il y a des écoles, des bonnes écoles, pas forcément des écoles top 10, machin, mais une école qui est au moins classée top 20, qui peut prendre en milieu d'année, ou du moins si je peux commencer en septembre, ce serait top. Donc voilà, c'était un petit peu ça. En tout cas, mes amours, j'espère que cette semaine des vidéos vous aura plu. J'essaie d'être le plus productif possible parce que je savais que là, en 35 heures, ça va être extrêmement compliqué. Je vais tout de même faire de mon mieux pour rester sur un rythme de une vidéo par semaine. Je ne vous dis pas quand est-ce qu'elles seront postées ni à quelle heure. Vous avez compris que moi, maintenant, ça va être dès que c'est prêt, je poste. Même s'il est quasiment 1h du matin, je poste. Peu importe. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. J'avoue, je serais un peu triste de plus voir vos petits commentaires tous les jours. On commence un nouveau chapitre encore de ma vie. Il commence à y avoir beaucoup de chapitres dans ma vie, là. Vous croyez pas? En tout cas, je vous fais de gros bisous, mes amours. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, en fonction du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes amours. Mouah.